Voilà, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, le capitaine Marcel poursuit son odyssée. Il a fort à faire parce que acculé par la partie civile, accusé par le parquet, mais aussi indexé par l'opinion, le capitaine doit fondamentalement justifier le bien fondé de ses nouvelles déclarations et apporter les preuves à cet effet. Jusque maintenant, le capitaine Marcel rejette toute responsabilité présumée par rapport à ce qui est convenu d'appeler les événements du 28 septembre. Il dit être venu effectivement au stade du 28 septembre, mais pas pour faire du mal, plutôt pour protéger le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition d'alors. Il dit être venu à la clinique Ambroise Paré, non pas pour faire sauter les lieux, mais plutôt pour protéger les leaders. Et finalement, mesdames et messieurs, il rentre en contradiction avec son compère Toumba, avec qui des déclarations très controversées, n'est-ce pas, fusent de partout, parce que Toumba avait pointé du doigt accusateur la responsabilité présumée du capitaine Marcel dans ce qui est convenu d'appeler les massacres du 28 septembre, dans l'enceinte même du stade du 20 septembre. Aujourd'hui, Marcel, axe de comparution 5, rejette cette accusation de Toumba, comme quoi, mesdames et messieurs, un face-à-face pourrait avoir lieu. Est-ce que c'est votre avis? La question alimente la chronique ici même au palais de justice, mais également dans les maisons, dans les salons et au sein de l'opinion. Vous êtes sur la télévision nationale et vous êtes les bienvenus. Ministère public compte M. Cécé Raphaël Ava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Tcheboro Camara, M. Ibrahim Camara dit Calonzo, M. Aboubakar Diakité dit Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Camara, M. Mamadou Ali Oukeita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouri Bailou Ba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Marcel Guilavogui, la défense, la parole pour les questions. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Monsieur Guilavogui, bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions de précision. Lors de votre première comparution, et maintenant, vous avez changé d'accoutrement. Maintenant, vous venez avec les chapelets et autres. Qu'est-ce qui a changé? Votre habillement. Maintenant, vous venez en boubou et avec le chapelet. Avant, ce n'était pas ça. Qu'est-ce qui a changé chez vous? Rien n'a changé chez moi. D'accord. Mais vous reconnaissez au moins que vous ne veniez pas avec le chapelet. C'est vous qui le dites, moi je suis chrétien. D'accord. Ok. Et je prêche la parole de Dieu. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, beaucoup de questions vous ont été posées relativement à votre première comparution et à la reprise de parole que vous aviez eu à faire. Vous avez expliqué que c'était en fait une stratégie pour vous. Qu'est-ce qui a motivé l'adoption de cette stratégie pour vous? Qu'est-ce qui a motivé cela? J'ai beaucoup expliqué
mon silence. J'ai expliqué ça le premier jour et durant les trois jours passés aussi, je l'ai expliqué. Je crois que c'est largement suffisant. Non seulement c'est une stratégie, c'était aussi pour ma propre vie. D'accord. J'ai expliqué ça aussi. Donc, j'étais là. Ok. Hier, une question vous a été posée et vous avez dit que on vous a demandé, vous avez dit que vous étiez menacé et que votre vie ainsi que celle des membres de votre famille étaient en danger si vous faisiez certaines déclarations devant les EPJ. On vous a demandé est-ce que vous connaissez l'identité des personnes qui vous ont torturé. Vous avez dit non. Est-ce que vous réitérez cette déclaration? La déclaration selon laquelle vous ne connaissez pas l'identité de vous, de ceux qui vous ont torturé. Je ne connais pas le nom. Très bien. Au moment où on vous torturait, qui dirigeait la transition? Je fus arrêté le 31 mars 2010. 31 mars 2010. Qui dirigeait la transition à l'époque, en ce moment précis? Bon, c'était à la veille, hein, presque. C'était au moment. C'était, ça faisait même pas deux mois que le président Moussa Dadis était à Ouaga. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez décidé de garder le silence. Et après, vous avez changé de stratégie. Mais moi, je considère que vous n'avez pas gardé le silence parce que vous avez fait des déclarations. Vous avez fait des déclarations ici, lors de votre première comparution, selon lesquelles tous les proches du président Dadis, alors, ou des personnes supposées être ses proches, étaient tous traqués. Donc vous, vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez de cette déclaration? Je ne commenterai plus cette déclaration parce que c'était une stratégie de façon... D'accord, il n'y a pas de problème. Donc on retient que le capitaine Dadis n'était pas au pouvoir en ce moment-là et que ses proches étaient traqués tout comme vous. Alors, monsieur Marcel, quand vous avez été interrogé par le magistrat instructeur, est-ce que, à l'époque, en ce moment-là, le capitaine Dadis était au pouvoir? Il n'était pas au pouvoir, mais il était aux aguets. D'accord. Qui était au pouvoir? Je ne sais pas. Il était aux aguets, comment? Expliquez. Aguets, ça veut dire quoi? Aguets, à la suite, il était là. Il était là parce qu'il avait ses hommes au pouvoir. Comme qui? Le colonel Tebboune était là. D'accord, mais qui est inculpé? Le général Baldé était là, c'est son ami, c'est lui qui l'a fait venir d'Haïti. Oui. C'est le parachuté du pouvoir. Il était le haut commandement de la gendarmerie. Ah d'accord. D'accord. Est-ce que c'est le général Ibrahim Baldé qui a envoyé des gens pour vous torturer? Je n'ai pas vu le général Baldé. Donc vous ne pouvez pas supposer simplement parce que c'est le plein de risques qu'il a envoyé. On peut rester dans son bureau et ordonner des choses sans qu'on ne te voie. D'accord, ça veut dire que vous l'accusez simplement le fait d'être proche du président Dadis, qu'il pourrait faire quoi que ce soit contre vous si vous faisiez quoi que ce soit. C'est vous qui partez sur ce tapis, vous pouvez le dire ainsi. D'accord, on est en train de discuter. Savez-vous que l'instruction, elle est secrète? C'est-à-dire que lorsque vous êtes interrogé devant par un juge d'instruction, les déclarations que vous faites devant lui, en présence bien sûr de vos avocats, ou même s'il n'y en a pas, c'était des professionnels, ces juges-là, est-ce que vous savez que les déclarations que vous faites là-bas sont confidentielles et ne peuvent être connues de personne?
Je ne suis pas juriste. Vous n'êtes pas juriste. Oui. D'accord. Je vous l'apprends. Quand vous faites des déclarations devant les magistrats instructeurs, ces déclarations sont confidentielles et personne ne peut le savoir. Donc l'argument selon lequel, bien entendu, si vous faisiez des déclarations devant les juges d'instruction, cela aurait pu être su par des supposés proches du président Dadis et qui auraient pu peut-être vous faire du mal. Ça ne tient pas. Monsieur Marcel, il y a quelque chose qui est acquis, et nous sommes très heureux, nous, sincèrement, du côté du capitaine Dadis, et je crois que vous avez même la conviction. Est-ce que vous réitérez la déclaration qui est la vôtre, selon laquelle vous êtes parti au stade avec les mêmes motivations que le commandant Toumba, c'est-à-dire aller chercher le président au stade? J'ai expliqué ça et je ne reviens plus sur ça. D'accord. Donc, est-ce que c'est le président qui vous envoie au stade? Celui qui nous a fait envoyer par sa stratégie habituelle. Il vous a fait envoyer par sa stratégie actuelle. Habituelle. Habituelle. Oui. D'accord. Ça veut dire qu'il était sorti, donc vous étiez parti le chercher. C'est ça. Depuis le matin, c'est cette déclaration qu'il devait partir au stade. C'est ce que je vous dis. Je dis la stratégie habituelle. C'est ce que j'explique aussi. D'accord. Se déplacer et puis vous qui êtes ces gardes rapprochés, vous partez le chercher. C'est cela. Je crois bien, c'est ça. Très bien. D'accord. Donc on peut conclure que vous êtes parti au stade de vous-même. Monsieur Marcel, au stade du 28 septembre, qu'avez-vous fait? Parce que là, ce procès, en fait, on veut situer les responsabilités. Le commandant Toumba a déclaré ici que lui, il était parti au stade chercher le président Dadis. Et vous aussi, vous avez déclaré ici, lors de votre prise de parole, je ne parle pas de votre première déclaration, ok, vous avez dit que vous avez appris que le président est parti et que le commandant Toumba est parti. Vous aussi, vous avez pris le chemin d'y aller, vous-même. Vous êtes parti, vous ne l'avez pas vu. Maintenant, puisque vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous avez fait concrètement là-bas? J'ai déjà expliqué ça. Très bien. Largement sur ça, poser des questions. Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Est-ce que vous avez discuté avec le commandant Toumba à l'intérieur du stade? Bon, je n'ai pas discuté avec lui. D'accord. Vous n'avez pas eu le temps de discuter. Quel a été votre comportement à son égard? Qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a pas eu un comportement négatif à mon égard envers lui. Ah, vous ne l'avez pas frappé? Non. Lui non plus, il ne vous a pas frappé? J'ai beaucoup expliqué ça. Ce que vous voulez poser, posez. Je n'ai plus d'explication sur ça. Moi, c'est une question que je pose. Si vous n'avez pas de réponse, dites que vous n'avez pas de réponse. Je ne vais pas insister. Je n'ai pas de réponse. Voilà, je comprends, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui signifie que vous n'avez rien fait, bien entendu, avec le commandant Toumba, vous n'avez pas discuté, il ne vous a pas donné le coup, vous n'avez pas donné le coup. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider à sortir avec le leader qu'il a pu sauver? J'ai largement expliqué ça. Je crois que dans mes explications, vous pouvez poser des questions. Je n'ai plus d'explications sur ça. D'accord. Les soldats qui étaient à côté du commandant Toumba, est-ce que vous les connaissiez? Son entourage, ceux qui étaient avec lui dans le stade, quand il récupérait... Je connaissais que Toumba dans ce milieu. Vous dites? Je connaissais que le commandant Toumba dans ce milieu. D'accord. Donc vous, vous êtes entré au stade seul. Oui. Bien. C'est ce que j'ai dit. Très bien. Comment avez-vous su que le commandant Toumba est à l'intérieur du stade? Parce qu'on peut venir au stade derrière, sur les planades et autres là, mais à l'intérieur, on ne peut pas savoir, étant là, on ne peut pas savoir qui est à l'intérieur ou pas. Comment vous avez su que le commandant Toumba était à l'intérieur du stade? Moi, je n'étais pas venu derrière le commandant Toumba. Moi, j'ai vu le commandant Toumba. C'est ce que j'ai dit.
Comment vous avez su qu'il était à l'intérieur du stade? Donc vous êtes entré. Qu'est-ce qui a motivé votre incursion à l'intérieur du stade? Mon arrivée à l'enceinte du stade, c'était la recherche du président. Je pensais que le président est là. J'ai pas compris. Je croyais que le président est au stade. Vous croyez? Il était là. Il est sorti. Et quand j'ai vu les dispositifs militaires... Donc, où? Au stade? Les dispositifs militaires étaient sur le pont. Après, ils ont dispersé. Donc, les dispositifs militaires d'une garde présidentielle ne se regroupent pas dans un point. D'accord. Mais... quand le président descend, chacun prend ses dispositifs. Même au palais du peuple, quand vous partez, le président ne peut pas rester là. Les dispositifs sont un peu partout. D'accord. Lorsqu'il y a cortège pour le départ, vous allez voir maintenant, vous êtes ensemble. Est-ce que ce dispositif était à l'esplanade? Comment vous parlez? L'esplanade veut dire quoi ici? La terrasse. C'est là-bas. Mais la terrasse, il faut qu'il y ait les dispositifs pour que les hommes descendent. Et dès que les hommes descendent, les dispositifs disparaissent. Ils prennent la position du départ. Monsieur Guilavogui, nous sommes en train de situer les responsabilités. Et n'oubliez pas une chose. Vous aviez fait des déclarations lors de votre première comparution. Ces trois derniers jours, vous avez fait également des déclarations et qui sont contenues dans le procès-verbal, dans le primitif. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Posez votre question, maître. J'ai dit, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Pas. C'est une question que c'est je vous ai posée. C'est vous qui posez. Très bien. C'est vous qui avez dit que ce dispositif n'était pas au niveau du stade, à cette barre. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Si, à partir du moment où vous considérez ou vous n'avez pas vu le dispositif aux alentours du stade, parce que le pont et autres sont très loin du stade, pourquoi vous entrez au moment où que j'ai vu Makambo rentrer au stade? Makambo est habitué à rentrer au stade et sortir avec le président. Avant, ça c'est auparavant. D'accord. Et il est le chargé d'opération du président. D'accord. J'ai vu les dispositifs aussi de Begré qui rentrait au stade. Oui. Il fait partie de la garde aussi. Ah bon? Parallèle. Donc, avec le prétendu sorti du président qui disait qu'il devait sortir, qu'il est sorti, donc cela m'a motivé de vérifier effectivement s'il est là. D'accord. On va tout rester sur ce point précis. Je rappelle qu'à cette balle, vous avez dit que vous n'avez pas dévisagé Makambo et que vous l'avez reconnu selon vous à travers la hache. Selon vous, c'est ce que vous déclarez maintenant. Je dis même Makambo est à n'importe quelle distance. Peut-être si l'œil ne peut pas voir, mais dès que je vois Makambo, je le reconnais. À travers ça. C'est Makambo seul qui marchait avec la hache. D'accord. Vous n'étiez pas au milieu. Vous voulez défendre, mais vous n'étiez pas là. Je vous dis que Makambo marchait avec... c'est la seule personne qui marchait avec la hache devant le président. Monsieur Marcel. Le peuple nous attend. Hein. L'armée guinéenne est là. On va se comprendre. Voilà. OK. On se comprend. Ne vous fâchez pas. Non, je ne suis pas fâché. Donc, c'est moi qui pose des questions. Laissez-moi les poser. C'est ce que je dis. Je dis, vous vous rappelez au moins, parce qu'apparemment, vous vous rappelez maintenant, vous vous rappelez de vos déclarations selon laquelle vous n'avez pas dévisagé M. Makambo, mais vous l'avez reconnu à travers sa hache. Est-ce que ça, au moins, on peut être vraiment très... Maître, j'ai vu Makambo rentrer au stade. Okay. Laissez le français là. Les termes que j'emploie me concernent. Contentez-vous de répondre aux questions. Mais c'est ce que je vous dis. D'accord. Le visage, tu n'as pas vu. Non. C'est vous qui tenez le langage, hein, pas moi. Moi, je ne renie pas mes paroles. Monsieur Marcel,
Vous dites que vous avez aidé Toumba à faire sortir les leaders, ou que si vous étiez parti faire quelque chose au stade là-bas, Toumba n'aurait pas pu sauver les leaders là. Est-ce que vous confirmez au moins ça, votre prouesse là, cette bravoure là? Si mon inculpation était négative par rapport à ma présence, de tout ce que vous calculez, c'est ce qu'il allait se passer. Oui, mais vous devez au moins dire ce que vous avez fait. Mais je l'ai expliqué. Je ne reviens plus sur ça. D'accord. Moi, je voulais au moins que vous puissiez expliquer la bravoure qui a été la vôtre à ce niveau-là. D'accord. Il n'y a pas un problème de... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Toumba, dans sa déclaration, a dit que vous avez... Et comme tous les autres d'ailleurs, qu'à la clinique Pasteur, vous avez menacé d'exploser de faire exploser la clinique avec la grenade. Vous dites que vous étiez derrière, que c'était contre Kiboro. Pourquoi? J'ai largement parlé ça, maître. Je crois que je n'ai plus de réponse. Je crois que vous êtes un peu mal à l'aise lorsqu'on parle de la clinique Pasteur. Quoi? Vous dites? Vous êtes un peu mal à l'aise quand on parle de la clinique. Pourquoi? Mal à l'aise? Vous êtes allergique à ça. Comment vous me qualifiez que je suis mal à l'aise? C'est ce que je constate. Ah. Vous êtes allergique à ça, je me dis. Pourquoi? Mais je m'avais consulté. Oui. Votre réaction. Je suis à l'aise. Alors. La façon de répondre. Je suis à l'aise. Mais alors, je ne reviens plus. On a beaucoup parlé sur ça. Mais moi, je vais vous poser des questions. À vous de dire que vous ne venez pas les je ne réponds les pas. Les questions, maître. Allez-y avec les questions. Je suis arrêtez là. Vous discutez trop avec lui. Ce sont des questions que je suis en train de lui poser. Allez-y. D'accord. Monsieur Marcel, quand vous avez quitté la clinique Pasteur, où est-ce que vous êtes rendu? Voilà les questions. On a beaucoup parlé sur ça, mais je n'ai plus de réponse pour ça. Est-ce que vous étiez rendu au haut commandement de la gendarmerie nationale? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que après le haut commandement de la gendarmerie nationale, vous êtes rendu à un autre endroit? Je n'ai plus de réponse pour ça. Vous étiez avec qui après le haut commandement de la gendarmerie nationale? Ce n'est pas la mauvaise foi, mais les questions là ont été largement expliquées si je n'ai plus de réponse. D'accord. Est-ce que vous confirmez la déclaration selon laquelle vous étiez rentré au camp avec le commandant Toumba? Ça a été sciemment dit ici, donc je ne peux plus rentrer dans les détails là. D'accord. Dites-moi, c'est une question que je vous pose et ça va être probablement la dernière. L'ordre de tirer par un militaire, comment ça se passe? Vous dites? L'ordre de tirer pour un militaire. Comme vous n'êtes pas militaire, je ne peux pas vous dire ça. Justement, c'est parce que je ne suis pas militaire que je veux comprendre. Je ne peux pas vous répondre ça. D'accord. Une question subsidiaire que je vais poser. Je pose cette question parce que le commandant Toumba dit qu'au niveau du stage, pas au niveau de l'université, quand il est descendu, il vous a vu en train de tirer avec vos hommes et qu'il vous a dit « cessez de tirer ». Et vous avez déclaré ici que Toumba était votre chef, même si vous refusez d'admettre que vous étiez son adjoint. Est-ce que cette déclaration, au moins du commandant Toumba, vous le confirmez? J'ai beaucoup parlé de ça, je n'ai pas de commentaires sur ces déclarations. Merci, Monsieur le Président. La partie civile a beaucoup posé sur ça. Bonjour, Monsieur Marcel. Bonjour. Alors, merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs.
Je vais vous poser quelques petites questions de précision et j'espère que vous allez avoir l'amabilité de répondre à ces questions. Alors, est-ce que devant ce tribunal, vous voudriez solliciter qu'on abandonne vos déclarations contenues dans votre procès-verbal en date du 3 novembre 2010 et également vos premières déclarations que vous avez tenues lors de votre première comparution devant ce tribunal.